Non mais comme je t'ai dit, t'as même pas besoin de te prendre la tête en fait. Le but, c'est toi. Salut les guerriers, aujourd'hui, vidéo assez spéciale. J'ai un invité qui s'appelle Izika l'unique. Izika, c'est moi-même. Le but de cette vidéo, c'est un partage entre nous. En fait, Izika a récemment est venu vers moi pour justement qu'on puisse partager la dualité entre la musculation et la boxe. J'ai trouvé la chose très intéressante. La chose qui serait très intéressante aussi, c'est la différence de poids. Tu fais combien de kilos? Là, actuellement, je suis à 147 kilos. Ouais, et là, moi, je suis à 82 kilos. La rencontre sera vraiment amicale. Izika n'a pas de la boxe. T'as déjà eu l'occasion de faire de la boxe? Vraiment à l'ancienne, mais après, j'ai arrêté. Donc, on va dire que j'ai eu trop d'expérience au niveau de la boxe. Voilà, donc, bien souvent, je parle beaucoup de la musculation, de la dualité musculation et boxe. On en parlera certainement à la fin de la vidéo, mais vraiment, comme je l'ai dit, le but c'est vraiment de partager ensemble un petit kiff, de vous faire kiffer en même temps et de vous faire peut-être rigoler aussi. Une autre chose aussi, je remercie Izika justement de m'inviter dans sa salle qui est la salle plutôt de Bitan Academy. Merci à lui de nous inviter. Et restez vraiment jusqu'à la fin, comme j'ai pu le dire, un petit cours avec Izika et on va parler de la musculation d'abord et tout. Donc voilà, ciao. La chose, c'est que on va commencer par 3 rounds. On va être dans un 3 rounds de 2 minutes. Le premier round, je vais aller vers l'avant sur Izika qui va devoir boxer en reculant, chose qui va être un peu difficile pour lui. Et progressivement, on va me mettre en difficulté. Izika va par la suite plutôt avancer sur moi. Et par la suite, on va faire un petit round en mode corps à corps. Voilà, les difficultés vont monter progressivement. Donc, des rounds de 2 minutes, 2 minutes 30. Et voilà, on y go quoi. All day, my game. Tu vois ta fille là? Ouais. Izika et lui de son côté va devoir boxer en reculant, chose qui est très très difficile. Et par la suite, voilà. On est go ? On est parti.
Ah. Voilà. Il y en a fait beaucoup. Ah, très intéressant. Quelque chose. Putain. Ça va, il a lâché déjà. Comme je le dis souvent, lorsque vous faites passer un adversaire qui est plus petit que vous, lâchez les jambes. Chose très intéressante aussi, vu que je suis plus petit que lui, je sais comment votre adversaire passe la barrière de votre jab, il percute crochet. En tout cas, bon envoi de jab. Merci mon gars. Là, pas évident. Le but. C'est vraiment pas évident que je vais en parler. Repos sur le coup. Là, les choses vont se compliquer pour moi. Les choses vont se compliquer pour moi maintenant. Il faudrait que tu avances sur moi. Et voilà quoi. Un petit repos. Bon. Il va falloir souffler un petit peu. Et bien, quand je dis souvent aussi, c'est une bonne utilisation des appuis lorsque vous envoyez votre jab. En général, on a tendance à croire que tout se passe au niveau du haut du corps. Et c'est vraiment le bas du corps qui vous permet de jabber, d'envoyer vos coups correctement. C'est bon ? Après, pour que le mec soit un peu plus grand, non ? Et vos tailles. Bien souvent, quand on fait face à une personne qui est plus taille, ouais. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il l'a fait, c'est qu'il n'a pas cherché tout de suite à envoyer des coups lourds, il a essayé de jauger sur l'adversaire. Jauger pour ensuite envoyer des coups. Quand vous faites face à un adversaire qui est, comme moi, une grande différence de gabarit, je suis forcément plus mobile que lui. Donc, s'il aurait joué le fait d'envoyer directement des coups lourds, il serait fatigué directement, il aurait déchargé ses piles rapidement et il n'aurait pas pu toucher comme il a pu le faire maintenant. Le fait d'envoyer des petits coups légers de temps en temps et quand il sait qu'il va me toucher, boum, c'est ça qui lui a permis de me toucher. Donc, deuxième round où c'est toi qui vas avancer. Attends, je vais boire un petit peu. Ouh. Ouais. Donc deuxième round. Voilà, c'est ça, voilà. Je vais m'assaillir de. Le, pour le round. Ouais, 2 minutes 30. Redis. Et voilà, deuxième round. Ziké va me charger et essayer de me toucher au mieux. Nico. Ok. On y go. Allez.
En tout cas, on sent le poids. Hein. La différence de poids, le dernier truc que tu m'as donné là. Incroyable. Ah putain. Il est vif. Il est vif. C'est dur. Les gens, ceux qui veulent pratiquer la boxe, moi je suis un passionné de muscu. Faites pas de muscu. Après, je pense que. C'est pas le même cardio. Comme, ouais, après, comme je le dis, il faut juste se muscler, efficacement. C'est-à-dire que bien souvent, quand on se muscle, on a toujours tendance à vouloir muscler le haut du corps. Et ça, ça nous handicape en fait. Parce que toute la puissance se niveau au niveau de vos appuis. C'est vraiment ça qui vous permet de frapper durement votre adversaire. Et c'est vraiment une chose qui va vraiment tout changer si vous changez votre point de vue. Après, c'est un point de vue qu'on a quand on est jeune, on a toujours d'a priori, instinctivement, on a toujours tendance à vouloir muscler le haut, mais tout se passe en bas, toute la puissance se passe en bas. Mais après, le truc, c'est que par rapport aux différences de poids. Après, ça joue après. Ça joue de ouf, hein. Ça joue. Je peux plus bouger que toi. Ouais. Et si t'avais une personne du même gabarit que toi, vous seriez certainement tous les deux en mode face à face. Et plus, tu sais, en fait, le cardio serait équivalent, quoi. Là, je vais. Mais donc, dans ce domaine-là, le cardio, ça joue ou quand même le cardio, ça joue. Faut les bouger les 140 kilos. Ouais, c'est sûr. On n'a pas le même poids. Donc, si tu les face à un gars qui faisait. On a quoi, 60 kilos de différence. Pareil, toi j'ai un gars dans mon club qui est super vif. Et pareil, il fait des trucs encore plus hardcore, tu vois. En fait, plus t'es différence, et plus ça joue. Hein. D'ailleurs, ce round-là, il va être assez compliqué. Dans ce fait où. Là, on est carrément. En mode corps à corps, donc là, je vais devoir vraiment me mettre en mode tank. En mode tank parce que Mister, là, le dernier coup que tu m'as donné, là, je suis un peu rentré dedans. J'ai vu la différence de. Je suis désolé, mon gars. Non, tranquille. Ouais, je voulais frapper. Quand t'as un poids comme ça, différence de poids, tu peux pas chercher. C'est de la physique, quoi. Je voulais pas trop appuyer au niveau. Non, tranquille. Donc, là, prochaine round, ça va être mode corps à corps. Je peux te donner déjà des indications. Ouais. Quand tu es en mode corps à corps, mets-toi déjà de base comme ça. Okay. Jamais comme ça. Quand tu te mets comme ça, tu te mets en mode difficulté. Donc vraiment, mets-toi comme ça, assis sur la jambe arrière. Et voilà, tac, tac, boum, boum. Si tu veux, tu peux bouger. Mmh. Mais le but, c'est vraiment de rester en corps à corps. On est go? Donc, par exemple, quand ça soit 2 minutes. 2 minutes, là. 2 minutes, là. 9-30, et quand c'est 2. Quoi, c'est quoi? Respire. Nico. Allez, attention, allez.
Allez. Allez. Allez. Mets-nous ça, sac de frappe, allez. Mets-nous ça, sac de frappe. Imagine que tu soulèves un halter là. Allez, cardio, cardio. Après, il y a vraiment une différence lorsqu'on change de sport. Mm-hmm. Il est plus habitué à faire du bodybuilding. Mm-hmm. Et les boxeurs n'ont pas. C'est pas la même recherche de cardio. Quand on fait de la boxe, bien souvent, on cherche à sprinter, à aller doucement, à sprinter. Aller doucement et je pense qu'il est plus adapté à des endurances assez linéaires qu'on peut le voir au cyclisme ou autre. Donc ouais, c'est pas aussi, c'est pas évident, c'est pas le même cardio quoi. Ah, bon les gens, oh, putain, heureusement que la boxe c'est pas ma discipline, parce que putain, dans tout ça, tu fais 147 kilos, tu boxes avec un mec plus agité, plus âgé, qui fait 15 ans de boxe. Putain, c'est un truc de ouf. Y a, en sachant que là, on fait le combat, là, Fury et Tyson, Tyson Fury et Mister Deontay Wilder. Fury a dégommé Deontay Wilder. Très bon combat. Il a pris la revanche de Wilder. Un très bon combat. Très, très et comme bon. Je dis souvent, en plus, je le disais très, très, très souvent que ce combattant-là, c'est vraiment le king de cette catégorie. Tu parlais de qui? De Tyson Fury, ouais. Vraiment le king de cette catégorie. Une boxe assez assez haute, assez à l'aise. Assez à l'aise. Très bonne expérience. Je pense que je vais m'en remettre en buvant de la flotte et en plongeant dans une bonne douche. Mais la chose en fait, c'est vraiment le cardio. On n'a pas le même. Le même poids. Ouais, le cardio c'est la base. Ouais, voilà, et le cardio ouais, c'est la base. Ouais. Si vous voulez faire de la boxe, n'hésitez pas à vraiment faire des fractionnés pour pouvoir vraiment vous mettre en condition, pour pouvoir déjà avoir une bonne base d'endurance. C'est vraiment le fractionné. La capacité à vraiment rester comme ça et hop, c'est vraiment la base quoi. Bah écoute, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, ça vous donnait beaucoup de réflexion. Par rapport à un bodybuilder et un boxeur confirmé. Voilà. Donc en tout cas, ce fut un plaisir de partager ce moment-là avec le poteau Rical. De même. D'ailleurs, comme je l'ai pu le dire, c'est vraiment l'échange est vraiment amical. Voilà. La chose aussi, c'est qu'il y aura un petit cours qu'on va faire ensemble qui est si possible dans la description, dans un groupe privé où j'enverrai ça. Et voilà, on a tous deux des Insta. Moi, c'est Rickards officiel. Moi, c'est Ezik, E-E-A-S-Y-K. Et voilà, les vidéos seront diffusées, si tu vois ça, sur dans sa chaîne, sera diffusée partout dans ma chaîne. On va partager ça en doublure dans nos chaînes respectives. Sa chaîne YouTube qui est Rickards, ou comme c'est Rickards, comme c'est écrit là. Voilà. Et Ezik Alunik, pour ceux qui me connaissent, vidéo humoristique, vidéo de muscu. Donc voilà, youtubeur, allez, big force à vous. Voilà. On se dit à bientôt. Comme d'habitude, et la force sur ta de cardio.